nom c'est Monsieur Abdourahmane Sitcham. Je suis formateur, enseignant en communication, également consultant en management des organisations et des autres entreprises. Alors sur le plan politique, je suis membre du pôle communication de l'Union citoyenne Ubuntubi, qui est un parti légalement constitué qui a existé depuis février 2007, qui a donc eu 10 ans d'existence et qui a décidé cette année de partir seul aux élections législatives. Je suis également investi sur la liste nationale. Bon, on peut dire que notre arrivée à la députation est le fruit d'un long processus parce que nous avons eu à évoluer dans le monde associatif. Nous avons accompagné beaucoup d'organisations un peu partout au Sénégal, hein, de Dakar à Kédougou. On a travaillé dans le cadre de la migration, on a accompagné aussi des GPF et d'autres organisations. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement les ONG aussi avaient quelque part des limites. Il y a des moments où les décisions du pouvoir étatique sont déterminantes pour pouvoir mener à bien cette mission et l'amener à son couronnement. Nous avions jugé nécessaire de ne pas achever ce travail, mais en essayant d'investir la sphère politique. Parce que nous savons que dans un pays, le gouvernement ou l'État, effectivement, donc, a un pouvoir régalien, il joue un rôle fondamental. Nous avions pensé qu'en allant à l'Assemblée nationale, nous pourrons proposer des projets de loi qui iront dans le sens d'améliorer les conditions des couches vulnérables et les conditions des Sénégalais dans leur écrasante majorité. C'est cela qui nous a poussé effectivement donc à vouloir ouvrir les portes de l'Assemblée et entrer et exercer pleinement notre mission qui est de travailler et d'agir au service du Sénégal. Beaucoup de choses, mais la chose qui nous importe le plus, parce que nous aimons ce concept, et il est fondamental dans ce qu'on appelle la gestion même des affaires humaines, c'est la justice. Une fois que nous serons à l'Assemblée nationale, il est évident que nous allons proposer des réformes qui iront dans le sens de crédibiliser davantage la justice sénégalaise, en confortant fondamentalement le pouvoir des magistrats. Parce que l'indépendance des magistrats, jusqu'à ce jour où je vous parle, est un idéal. Il faut que cet idéal-là soit concrétisé. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur la sphère publique qui nous poussent à soupçonner qu'il y a une manipulation, effectivement, de l'appareil judiciaire par l'exécutif lui-même. Beaucoup de décisions se prennent ailleurs que dans les tribunaux. Quand maintenant les hommes qui sont censés dire le droit sont au service d'injonctions politiques, mais ça pose problème. Deuxième élément aussi, réformer l'éducation, parce que l'éducation jusqu'à présent n'a pas donné des produits performants. Aujourd'hui, il faudrait une adéquation entre la formation et l'emploi et l'employabilité, ce qui n'est pas le cas. Troisième élément aussi, réfléchir sur l'agriculture. Il y a des lois qui ont été posées, et la dernière c'est la loi agro-silvopastorale. Mais dans son principe, la loi elle est bonne, mais dans son application, ça pose problème. Donc il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. La question de la santé aussi, il ne faut pas l'ignorer. Il faut que l'accès à la santé ne soit pas simplement une affaire de droit, mais il faut qu'elle soit de fait. Tous les Sénégalais, effectivement, puissent bénéficier de la gratuité des santé, surtout, effectivement, la dialyse, surtout les lunettes pour ceux qui ont des problèmes liés. Il faut que tout cela soit réconforté. Mais un élément aussi nous tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on peut appeler une mort évitable, provoquée par la consommation de la cigarette. Et une fois que nous serons à l'Assemblée nationale, mais nous n'hésiterons pas à porter le prix d'un paquet de cigarettes à 5000 francs, pourquoi pas, pour que les adolescents qui sont aujourd'hui dans les établissements, mais effectivement, ne puissent pas trouver les moyens pour acheter de quoi fumer. Donc il y a beaucoup de chantiers sur lesquels, effectivement, nous reviendrons, mais on peut pour le moment ne citer que cela, parce que dans ce pays-là, tout est à reconstruire.